Bonjour à tous, vous avez reconnu, je suis à Montpoupon à l'occasion de la fête de la Vénerie du Berry. Aujourd'hui, c'est une des fêtes qui, durant tout l'intersaison, se sont déroulées partout en France, des très jolies fêtes à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes également là pour inaugurer le musée, une nouvelle salle dans le musée de Montpoupon, consacrée à la Vénerie, avec une salle très intéressante en termes de scénographie, où ils ont mis les nouvelles technologies, où on peut consulter les archives de Montpoupon, les archives de mémoire des équipages. Et ainsi, durant tout l'été, on a eu l'occasion de mettre en valeur le patrimoine culturel de la Vénerie, que ce soit à Chambord avec l'installation d'une nouvelle salle dédiée à la collection de boutons, que ce soit à Gien, où il y a également eu une inauguration, à l'abbaye du Val des Choux, qui a été aussi une très belle réalisation. On voit partout des initiatives pour mettre en avant, mettre en valeur ce patrimoine culturel, et on peut se réjouir. Dans la lettre des amis que vous allez consulter, vous pourrez regarder des reportages, des vidéos sur ces différents événements. Vous verrez d'autres initiatives sur la Vénerie du Lapin, sur la fête de Fontainebleau. Bref, je suis sûr que vous allez découvrir des choses passionnantes. L'intersaison a été extrêmement riche. Mais au-delà, nous sommes en début, là la saison va débuter dans quelques jours. Je vous souhaite à tous des très bons moments, de vivre avec votre équipage, avec les chiens, voilà, des beaux laissés-cours, dans le respect des traditions et de nos valeurs, et toujours faire en sorte que la Vénerie se comporte de manière irréprochable. C'est comme ça que la Vénerie perdurera. Parce qu'il y aura des gens qui mettront en avant le patrimoine culturel et parce que nous pratiquerons une belle Vénerie, eh bien, nos enfants, nos petits-enfants continueront. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle saison.